Salut tout le monde, donc aujourd'hui je fais une recréation du look maquillage de Véronique Cloutier qui s'est mariée il n'y a pas très longtemps. C'était très discret, disons, comme mariage, ce que je trouve très bien parce que des fois quand on est à l'œil du public comme ça, on aime mieux garder certaines choses pour nous. Donc, Elle Québec a pris des photos, il y a eu une session photoshoot avec eux, puis Véronique Cloutier est sur le Elle Québec présentement, donc allez chercher votre copie. Bref, j'ai recréé le look pour vous, super intense, de belles couleurs, donc j'espère que vous aimez ça, puis si vous voulez apprendre comment le faire, ben, continuez à regarder. La première chose que je vais utiliser, c'est je veux mettre ma paupière, puis tout cet espace-ci neutre, donc une couleur opaque. Je vais utiliser mon MSF de MAC en médium. Normalement, c'est comme une poudre fond de teint. Donc, je vais juste prendre le pinceau plat, puis je vais juste venir tapoter ça sur l'œil. Je vais l'appliquer partout jusqu'au sourcil. Ça va juste nous aider à avoir vraiment une base uniforme pour débuter le look. Ensuite, on va commencer avec la couleur, si ma caméra peut focuser, voilà. Je vais utiliser un ombre à paupières de chez MAC qui s'appelle Expensive Pink. C'est un rose avec un fini un peu orangé. Super, super beau. Un fini métallique. Je vais utiliser le même pinceau. Encore une fois, on va juste aller appliquer ça sur la paupière. Ensuite, je vais juste prendre un pinceau évasé un petit peu, puis je vais juste travailler un peu sur la couleur pour que ce soit graduel. Ensuite, avec mon pinceau plat, encore une fois, je vais en appliquer juste un peu. Mais je vais... Oh, ding ding! J'ai presque failli me rendre aveugle. Je vais mettre ça juste l'œil externe en bas ici. Juste la moitié de l'œil, pas plus que ça. On continue un peu trop vers le coin interne de l'œil. On va avoir de l'air un peu infecté. Après, on va venir travailler un peu l'intensité du creux de l'œil. Donc, je vais utiliser un ombre à paupières de chez Lise Watier qui s'appelle Cuivre, qui est carrément une couleur cuivre. Je vais venir mettre ça dans le creux de l'œil, juste ici. Je vais le rapporter un peu vers l'interne. Et juste dans le creux de l'œil. Et je vais jusqu'au centre de la paupière. Pour mes vidéos, j'éteins mon air climatisé, là, puis j'ai tellement chaud en ce moment, là. Ouf, je me déshabillerai. Peut-être que je suis déshabillée, puis vous le savez pas. Après, on va encore venir, encore plus définir le creux de l'œil. Je vais utiliser un brun qui est quand même assez orangé. Je vais utiliser Brown Script de MAC. Ça ici, ça peut focuser. Donc, c'est un brun vraiment, vraiment chaud. Je vais utiliser maintenant... encore un pinceau évasé, mais avec une petite pointe au bout qui va nous aider vraiment à aller dans le creux de l'œil. Donc, avec ce brun orangé-là, on va juste venir intensifier le creux de l'œil. Donc, je vais juste ici. Quand vous allez dans le creux de l'œil, vous devriez sentir que c'est vraiment juste en dessous de votre os. Vous allez appliquer ça en va-et-vient. Ensuite, je vais aller prendre le cuivre de chez Lise Watier avec mon pinceau plat, puis je vais venir appliquer ça sur... la moitié de l'œil en bas ici. Puis pour finir avec la couleur sur la paupière, je vais utiliser une belle couleur de chez Lise Watier qui s'appelle Tanger. C'est une couleur tangerine, un beau petit orangé. Je vais en appliquer une légère couche sur la paupière mobile. Donc pas trop, c'est juste un petit peu comme ça, je tapote. Juste pour faire un rappel quand même qu'on utilise des couleurs cuivrées, orangées, juste un peu. Je vais utiliser ma poudre folle favorite, mon highlighter favori de chez Lise Watier qui s'appelle Folie Blanche. Je vais en appliquer un peu juste sur le sourcil ici. Là j'en ai trop, on enlève l'excès. Après, je vais juste venir le fondre avec mon doigt, juste pour que ça soit moins intense. N'oubliez pas le coin ici, c'est très important. Moi, je mets toujours ce point-là vraiment, vraiment visible. J'adore le point de lumière, là. Donc, j'ai appliqué mes faux cils, puis aussi deux couches de mascara. J'ai aussi appliqué des faux cils simples, comme ça ici, dans le coin externe de l'œil parce que j'ai vraiment pas beaucoup de cils. Ensuite, je vais juste venir éclaircir le regard avec un crayon Kohl de chez MAC qui s'appelle Fascinating. Puis je vais juste appliquer une fine couche sur la muqueuse de l'œil. Ensuite, pour les lèvres, elle a les lèvres vraiment, vraiment intenses. On garde toujours la teinte de orangé, rouge, cuivré, yellow. Mais bref, sa couleur de lèvres est vraiment, vraiment, ça pop, c'est vraiment, vraiment flash comme couleur. Donc, je vais commencer par un crayon à lèvres de chez NYX dans le numéro 813. Ça s'appelle Plush Red, comme ça ici. Ensuite, par-dessus, étant donné que le look est un peu trop... les lèvres sont un peu trop rosées, je vais aller appliquer un crayon à lèvres de chez MAC qui s'appelle Temperature Rising. C'est un crayon à lèvres orangé. On va s'appliquer exactement partout où on a appliqué déjà la couleur d'avant. Donc en ce moment, on voit qu'on se rapproche vraiment de la couleur à lèvres de Véro lors de son shoot pour Elle Québec. Maintenant, je vais l'appliquer par-dessus. C'est des rouges à lèvres liquides. Je dirais que c'est des produits incroyables. C'est de la marque OCC. Donc j'en ai un ici orangé qui s'appelle Banjee. Puis j'en ai ici rose, c'est comme rouge rose qui s'appelle Queen. Donc je vais mélanger les deux. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de produits pour ça, c'est ça que j'aime. Un petit picot comme ça, ça va faire toutes les lèvres. Je vous garantis, c'est magique ce produit-là, c'est vraiment exceptionnel. Donc là je vais juste mélanger les deux couleurs. Ensuite on vient appliquer ça sur les lèvres. Ensuite, je vais aller appliquer un gloss par-dessus. C'est un gloss longue durée, donc c'est certain que la texture est un peu plus épaisse. C'est un gloss de chez Armour Cosmetics. Comme ça ici, c'est un gloss orangé. Puis le numéro, c'est Lucy 100. Donc, on va pouvoir ici. Focus, comme ça. Donc, on va juste venir appliquer ça par-dessus. Ensuite, pour le blush, je vais prendre un nouveau produit vraiment que j'adore. C'est de la compagnie T-Val. Je suis pas trop certain comment on prononce ça, mais c'est de la collection Smink. C'est un blush minéral. Puis c'est un super beau corail orangé. J'adore ça. J'aime beaucoup les produits minéraux pour la peau parce qu'on dirait qu'ils se font vraiment bien dans la peau. Surtout pour les mariés, je trouve que ça dure longtemps. Il n'y a pas de problème. La tenue, le flash, c'est super avec ça. Aucun de problème. Donc, je vais prendre juste un pinceau vraiment délicat comme ça ici, enduit aux fibres. Puis, je vais venir appliquer ça sur les pommettes des joues, juste un petit peu. Juste pour que ce soit un rappel des couleurs sur nos yeux puis sur nos lèvres. Ensuite, toute mariée voudrait avoir un éclat naturel. Donc, je vais utiliser un highlighter que je vais mettre ici. C'est de chez MAC. C'est comme ça ici que ça se présente. C'est une poudre qui s'appelle Silver Dusk. Donc je vais prendre juste un tout petit pinceau comme ça ici. Je vais aller appliquer ça légèrement juste ici. Autour de l'œil un peu. Juste pour, comme on voit ici, là, la lumière reflète dessus. Ça fait un super bel effet. Donc voilà le look terminé. C'est un super beau look. Je suis content de voir qu'il y a des mariés vraiment qui... veulent avoir un punch de couleur parce que souvent c'est toujours des neutres. J'adore faire des maquillages neutres, mais pour une mariée vraiment qui décide de faire ok, mais moi je veux des couleurs puis je veux une lèvre intense, thumbs up pour toi Véro, j'adore ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo puis je vous revois très bientôt avec une autre vidéo. Combien de fois je peux dire vidéo dans la même phrase, je sais pas, mais en tout cas je vous vois bientôt. Bye!